salut la famille, j'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Boum boum boyaka. Ah, ouais, aujourd'hui on est là encore, oui bien sûr. Donc maximum de partage et de like, parce qu'aujourd'hui on est là pour parler de Safari Obiang, l'artiste d'Iko ivoirien, et avec Anticrazy, l'artiste guinéen. Oui bien sûr, on va comparer les deux artistes, oui bien sûr, les deux artistes africains. Donc on va voir les nouveaux clips de Safari et d'Iko aussi, et les nouveaux clips d'Anticrazy. Donc entre les deux artistes, qui est le meilleur entre les deux? Donc c'est quel clip qui est le meilleur, la famille, hein? Bon, partagez maximum, likez, s'il vous plaît. On se retrouve tout à l'heure, Côte d'Ivoire, la Guinée. Allez, bouyaka, boum, boum! Retour la famille, donc sans plus tarder, on va kiffer les deux artistes. Les deux artistes africains, donc entre Safari Obiang, l'artiste ivoirien, et du coup l'artiste guinéen, Anticrazy. Il est fou les mecs, Anticrazy. Allez, c'est parti, commençons par l'artiste guinéen, Anticrazy. Allez. Avancez, reculez. Ah ouais, écoutez. Hein? Non. Anticrazy, il est fou, il est fou, il est crazy, les gars, il est crazy. Non, mais c'est quelle création, c'est quel génie. Anticrazy, c'est un génie de la musique, les gars. C'est un génie de la musique africaine. Les mecs, il est fou. J'aime trop les mecs. Toujours, l'équipe est fou, l'équipe est dingue. Avancez, l'équipe est sortie hier. Avancez. Les gars, là on peut rien dire sur l'équipe d'Anticrazy. Bon, Anticrazy c'est un artiste guinéen. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Anticrazy parce qu'il avait même un problème avec le fait du guerre Arafat. Donc voilà, c'est là-bas beaucoup des Ivoiriens qui ont découvert l'artiste guinéen qui s'appelle Anticrazy parce que c'est un créateur. Donc voilà, lui il crée toujours. Donc le mec il crée toujours. Donc surtout il sort des beaux clips, en tout cas comme Safari Obiang. C'est pour cela que je les compare avec Safari Obiang. Vous allez voir tout à l'heure les clips de Safari Obiang, les derniers clips de Safari Obiang. Excusez-moi si je prononce mal le nom de Safari. Bon, Safari ou Safari, bon, c'est pareil les gars, vous avez compris. Voilà. Continuons juste à kiffer. Avancez. Ah ouais, il est fou. Hey, je vous dis, les artistes guinéens, on a des artistes qui sont ouf. On a des artistes qui ont un talent incroyable. Voilà, c'est juste qu'en Guinée, les showbiz, c'est pas trop comme Côte d'Ivoire. Vous voyez les gars. Mais sinon, la comparaison n'est pas raison, les gars. Vous allez voir les nouveaux clips de Safari, mais là, la kiffe en avant. Le mec, non, moi je l'aime trop. Il a sorti d'un polémique. C'est pour cela qu'il a sorti les clips là. Donc il avait promis, il va faire son retour. Mais voilà, les retours d'Anticrazy. Les mecs, il est dingue quand même. Voilà, c'est un fou, les mecs. Il crée toujours. Regardez la chorégraphie. Regardez comment l'équipe est organisée. Regardez l'équipe est bien organisée. Les mecs, ils financent les clips. Tous ces clips, ils financent. C'est comme Safari. C'est pour cela que je les compare. Ils financent. Les mecs, il est fou, les gars. Il est fou. Là c'est voyé, donc ouais, il y a des quand même, comment je vous dis ça, en Guinée il y a des musiques qui sont bon, il y a des artistes en tout cas qui sentent Farignaki, c'est une musique guinéenne. Farignaki, c'est comme coupé décalé, du coup en Côte d'Ivoire vous voyez que c'est comme coupé décalé. Donc voilà, mais c'est l'artiste de Sako, donc qui commence, je pense qu'il a valorisé Farignaki. Mais là c'est comme Farignaki, mais bon, c'est pas pareil, à peu près pareil, mais bon, je pense que c'est comme Farignaki, les gars. Non, il est dingue. Ouais, non, je l'aime trop. C'est mon artiste, les gars, c'est mon artiste. Vraiment, il est fort, les gars, il est fort, il n'y a rien à dire, parce que tout, bon, l'équipe est bien organisée, puis la chorégraphie, et puis aussi, regardez l'image des clips, tout est magnifique, les gars, tout est dingue, tout est ouf, là. Tout est magnifique, bien sûr, parce qu'il a bien fait son clip, il a bien travaillé sur tout l'image des clips, tout est nickel, tout est propre, les gars. Donc, Anticrazy, donc, voilà, mon frère, donc, tiens les mères, c'est un créateur, cool. Dès qu'il vient, regardez, allez-y, je vous conseille, l'équipe est sortie hier. Le clip à 100 et quelques cas vu, je pense. Oui, 100 et quelques cas vu, mes frères. Donc voilà, s'il vous plaît.
Abonnez-vous et partagez et likez. Bon, la famille, ha, hey, on est arrivé du coup les gars. Maintenant, on va parler de Safari Obiang, l'artiste ivoirien, l'artiste populaire ivoirien du coupé décalé. Oui, 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 on va voir son clip les gars. Voilà, on va parler de lui parce que c'est un artiste aussi incroyable, c'est un créateur comme Antiquezi. Donc c'est pour cela que je l'ai comparé les deux artistes. Donc, partagez, likez s'il vous plaît. Likez maximum et partagez la famille. C'est très important. Ok, donc ne restez pas ici à regarder sans partager, sans liker, s'il vous plaît. Parce que voilà, c'est pour me soutenir et pour soutenir aussi les artistes. On est là pour l'Afrique, voilà. Vous savez, moi, donc, je parle de tout, hein. Je parle de la politique, je parle de trucs. Mais ici, c'est mon compte YouTube. C'est pour cela que, ici, là, disons que je parle des artistes africains. Voilà, c'est pas des artistes guinéens seulement, c'est des artistes africains aussi. Donc, excusez-moi, parce que là, je parle de trop. On va passer pour voir les nouveaux clips de Safari. C'est parti. Tout le monde tourné au dos. Safari. Non mais les gars aussi, non mais. Mais c'est quel génie des créateurs. Lui aussi, il crée toujours les mecs. Il crée Safari, il crée, c'est un génie des créateurs, les mecs. Non mais c'est pour cela que je dis, non, le mec, il est où? Il est dingue, les mecs. C'est comment tu crées? Il est dingue, là, non? C'est pour cela que j'aime regarder les clips parce que c'est des créateurs. Oui, mais bon, je trouve qu'en tout cas, les sons des safarières. Bon, on va regarder ce qu'on va finir. Peut-être on va parler après, les gars. Écoutons. Ah! Non, je te jure, moi je l'aime trop. Je l'aime trop, il est ouf, les gars. Il est ouf. Ouais, ouais, c'est dingue, c'est dingue. En tout cas, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, ouais, ouais, ouais. Bon, les clips de Safari, c'est du lourd, la famille. Les clips, depuis que les clips sont sortis, je pense que ça fait 6 jours, là. Mais les clips ont 1 million de vues, 1 million de vues, donc voilà, il est bon. Safari, c'est quelqu'un qui est aimé en Côte d'Ivoire, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire en ce moment, donc c'est un créateur, donc voilà. Surtout les mecs, ils lassent pas. Il lasse pas, non. Il dit, lui, il va faire des coupés décalés, pire coupés décalés. Voilà, à ce moment, le coupé décalé est un peu mort, mais bon. Et du coup, lui, il est là toujours, donc voilà, il fournit des efforts, donc voilà, il nous envoie en tout cas des clips, en tout cas créatifs, parce que lui, il crée ses clips, hein. Il finance des millions pour ses clips. Donc voilà, c'est pour cela que je l'aime, c'est pour cela que je l'ai comparé avec Antiquezi. Donc, si l'on voit entre les deux artistes, donc c'est quel artiste qui est le meilleur? Donc, est-ce que c'est le nouveau clip d'Antiquezi ou bien c'est le clip de Safari Obiang qui est le meilleur? Donc voilà, vous avez écouté aussi les sons, hein. c'est pas les clips seulement, vous avez écouté les sons aussi, donc voilà, disez-vous entre les deux là qui est le meilleur, donc voilà, les clips et les trucs. Mais bon, Safari, et on se retrouve après, mec, parce que je sais, toi, t'es un créateur, mec, t'es un génie de la musique, et ivoirien, africain, oui, je te jure, le mec, il finance trop, en tout cas, moi, je l'aime trop, parce que là, c'est des lourds, là, ça rigole pas, la famille, ça rigole pas entre les deux artistes, donc voilà. Et abonnez-vous sur mon chaîne YouTube. Du coup, voilà, là, je fais des vidéos pour les artistes africains, je les compare. Et du coup, bientôt, bon, peut-être demain, si j'ai le temps, on va parler de Didi B. Et on va parler de Ibawan. On va parler des SP95, les gars. Parce que Didi B vient de sortir un nouveau clip. Ouais, j'ai vu le nouveau clip de Didi B. Donc, on va voir ça. Avec, en tout cas, l'album de SP95 qui est sorti. Avec un clip de Ibowan qui est sorti. En tout cas, Ibowan a sorti un clip à Paris. Donc voilà, j'ai regardé. Non, c'est à Paris, non? Ou bien c'est à Dubaï? Je pense que bon, on dirait que c'est à Dubaï, les clips de Ibowan. Hein. Et bon, mais demain, on va parler. Big love à vous et partagez et likez.